Année après année, Pierrette Sherwood développe de nouvelles créations à partir de métal agricole. Elle crée différents animaux, végétaux et pièces décoratives. Et cet été, elle a décidé de revenir à un type d'œuvre qu'elle crée à ses débuts comme artiste. Je cherche à mettre en œuvre différentes structures artistiques, sculpturales qui sont propices au jardin. Il faut dire que quand j'ai commencé ma petite entreprise en 2012, j'avais l'intention de faire de grandes structures pour le jardin. Donc, je retourne un petit peu à mes souches en faisant cette exposition-là. Cette exposition, Pierrette Sherwood l'organise chez elle, à Sainte-Anne, où elle a installé notamment des obélisques et des bancs de jardin qu'elle a créés ces derniers mois. Une grange située tout au fond de son terrain cache aussi de nombreux trésors. C'était une ancienne écurie que j'ai convertie. Puis là, j'y expose mes œuvres et aussi mes items vintage et autres. Pour sa collection consacrée au jardin, l'artiste a notamment créé différents oiseaux. J'adore les oiseaux. Je trouve que c'est une des expressions les plus éloquentes de la nature. Donc, j'aime beaucoup les oiseaux. J'ai commencé à faire des corneilles. Déjà, ça fait plusieurs années que j'en fais. Mais là, j'ai commencé à en faire d'autres. J'ai bleu, puis mon petit cardinal rouge. Et chacun a des petits détails qui le rendent unique. Lui, il est maestro. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oh, tiens, je vais lui donner une petite personnalité à lui seul. » C'est ça qui arrive avec ces œuvres-là, c'est qu'en les créant, il y a des personnalités qui ressortent. Tous les matériaux utilisés par Pierrette Sherwood sont récupérés à partir de composantes d'anciens engins agricoles trouvés dans des fermes et des granges. Parfois, ce sont ces trouvailles qui l'inspirent pour des œuvres. Moi, j'aime beaucoup les vieux disques agricoles, parce qu'ils sont empreintes aussi du temps, mais aussi du travail de la terre et tout ça. Donc, je vais avoir certains gros disques là, qui vont être mis en vedette. Pierrette Sherwood présentera ses plus récentes créations lors de son exposition « Mon jardin secret » les 8 et 9 juin prochains. Ici Véronique Morin, Radio-Canada, à Sainte-Anne.